Bonjour, je suis Pascal du site instinctguitare.com et dans cette vidéo, nous allons étudier la rythmique principale d'un morceau qui s'appelle La Scène, chanté par Vanessa Paradis et M, et qui est tiré de la bande originale du film Un monstre à Paris. Alors, la rythmique principale contient pas mal d'accords barrés, donc ce sera pas à la portée des débutants. Par contre, les guitaristes de niveau intermédiaire qui commencent à être à l'aise sur le placement des accords barrés pourront sans problème aborder ce morceau. Alors, commençons justement par détailler les accords à la main gauche. Alors la rythmique va comporter 4 accords. Tout d'abord un Ré mineur, avec un barré à la cinquième case. Vous pouvez consulter le diagramme d'accord sur la droite pour repérer le positionnement exact des doigts. Pour cet accord, nous n'utiliserons que les 5 cordes les plus aiguës. Il faudra donc faire attention de ne pas jouer la sixième corde. L'accord suivant sera un Si bémol majeur. Donc il s'agit de la même position, décalée d'une case. Donc le barré sera placé à la sixième case, et décalé d'une corde vers le haut. Donc à présent, nous utiliserons les 6 cordes. L'accord suivant sera un Fa majeur, donc qui utilise exactement la même position mais décalé à la première case. Puis un La majeur qui est encore la même position mais à la cinquième case. Et enfin, nous terminerons le cycle en rejouant le Ré mineur du début, c'est-à-dire en se redécalant d'une corde vers le bas. Vous constatez donc que la position des doigts est toujours la même, seule la main se déplace pour se positionner sur les bonnes cases et les bonnes cordes en fonction des accords. Donc si je récapitule le cycle, nous avons Ré mineur, Si bémol majeur, Fa majeur, La majeur, puis de nouveau Ré mineur. Passons à présent à la main droite. Cette rythmique peut se jouer au doigt ou au médiator, mais sachant qu'il s'agit d'un rythme assez rapide et assez énergique, nous allons nous concentrer ici sur le jeu au médiator. Alors comme dans la plupart des rythmiques à la guitare, nous allons faire en sorte que la main droite effectue un mouvement d'aller-retour régulier, même lorsque le médiator ne touchera pas les cordes. D'autre part, pour créer un contraste intéressant dans le rythme, il y aura des moments où nous jouerons uniquement la basse des accords, et à d'autres moments nous jouerons les autres cordes. Par exemple, sur le Ré mineur, nous allons jouer la basse qui va être située sur la cinquième corde, et le reste du temps nous jouerons les 4 cordes suivantes. Sur les 3 autres accords, comme le Si bémol majeur par exemple, la basse sera située sur la sixième corde, et le reste du temps nous jouerons sur les 5 autres cordes. Alors tout d'abord, nous allons jouer la basse de l'accord avec un coup de médiator vers le bas. Alors je vais donner l'exemple sur l'accord de Ré mineur. Puis nous allons remonter le médiator à vide, c'est-à-dire sans toucher les cordes, mais en maintenant un mouvement régulier. Le coup suivant se jouera vers le bas en touchant les autres cordes. Puis nous allons remonter la main à vide, puis la redescendre à vide. Nous remonterons en jouant les cordes aiguës vers le haut, puis ces mêmes cordes vers le bas, puis de nouveau vers le haut. Voilà, donc si je récapitule le rythme en entier, on a un coup vers le bas en ne jouant que la basse, on remonte à vide, on redescend en jouant les aigus, on remonte à vide, on redescend à vide, un coup vers le haut en jouant les aigus, un coup vers le bas toujours sur les aigus, et enfin un coup vers le haut toujours sur les aigus. Donc la même chose de manière plus régulière. Et un peu plus vite. Nous allons ensuite refaire la même chose en enchaînant tous les accords. Nous commençons donc par jouer 2 fois le rythme sur l'accord de Ré mineur. Puis la même chose sur l'accord de Si bémol majeur. Puis le Fa majeur en ne jouant qu'une seule fois le rythme. Le La majeur une seule fois également. Et de nouveau le Ré mineur en jouant 2 fois le rythme. Donc la même chose de manière plus régulière. Si vous souhaitez enrichir cette rythmique, vous pourrez rajouter la ligne de basse suivante. Alors pour ça, nous allons utiliser les 4e, 5e et 6e cases. Je vais donc placer ma main gauche de manière à avoir un doigt disponible en face de chaque case. L'index sur la 4e, le majeur sur la 5e et l'annulaire sur la 6e. On commence donc sur la 6e case de la 6e corde avec l'annulaire.
la cinquième case de la même corde avec le majeur, de nouveau la sixième case avec l'annulaire, puis la quatrième case de la cinquième corde avec l'index. Et nous enchaînerons aussitôt avec la basse de la corde Ré mineur. Au niveau de la main droite, nous n'allons utiliser que des coups de médiator vers le bas. Voici donc la rythmique en entier avec la ligne de basse. En cas de difficulté ou si vous avez des questions concernant la façon de jouer cette rythmique, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de l'article. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur instinctguitare.com.